Allons-y. Mesdames et messieurs les conseillers, nous allons commencer nos travaux. La séance publique dédiée aux questions au gouvernement. Questions orales. Je salue le président du gouvernement, le vice-président, ainsi que les membres du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie, l'administration du gouvernement du Congrès et le public et la presse. Vous avez été convoqué en séance publique par courrier daté du 19 décembre 2019. Monsieur le secrétaire général adjoint, veuillez procéder à la vérification des conditions du quorum. De quorum, s'il vous plaît. Président, merci. Alors, Madame la Présidente Bacquès, Madame Bardier, Monsieur Blaise est absent et a donné procuration à Madame Suvet, Monsieur Brial, Monsieur Brinon est absent et a donné procuration à Monsieur Cuenot, Monsieur Crenier, Présent. Monsieur Cuenot, Monsieur le député Dunoyer est absent et a donné procuration à Madame Croisé. Madame Fèvre est absente et a donné procuration à Madame Weicher. Madame Falayo, Monsieur Favreau, Monsieur Frogier, Monsieur Goua est absent et a donné procuration à Monsieur Savoie. Madame Goua, absente. Monsieur le député Gomez est absent et a donné procuration à Madame Manou Alalo. Monsieur Goromido, Madame Eo, Madame Jalabert est absente et a donné procuration à Madame Ruffnac. Madame Caloy-Berounet, Madame Kak, Madame Kouaté, Madame Kuessin Wright est absente. Monsieur le Président Ladier, absent. Madame Caroline Machereau-Régnier est absente et a donné procuration au Président Ouémitant. Madame Malfar Paouga, Madame Manou Alalo, Monsieur Mapou est absent et a donné procuration à Monsieur Tutugoro. Monsieur Metzdorf, Monsieur Michel est absent et a donné procuration à Madame Kak. Madame Montagna, Madame Neslin. Non, c'est peut-être pas le bon. Monsieur le Président Néoutine est absent et a donné procuration à Madame Kouaté. Monsieur Pabouti. Monsieur Ponga est absent et a donné procuration à Madame Montagna. Madame Croisé. Madame Ruffnac. Madame Sakilia, Monsieur Saliga est absent et a donné procuration à Madame Malfar Paouga, Madame Saliga Lutovica, Monsieur Sawa, Madame Suvé, Madame Tijinmae est absente et a donné procuration à Madame Caloy-Berounet, Madame Tchewe, Madame Toufélé, Monsieur Toukoumouli, Monsieur Tutugoro Pierre Chanel. Monsieur Tutugoro Victor, Madame Vandegou, Madame Waecha, Madame Waka est absente et a donné procuration à Monsieur Tutugoro, Monsieur le Président Ouémitant. Présent. Monsieur Ouaneux est absent et a donné procuration au Président de l'Allier. Monsieur Ouachetine, Madame Ouatéou, les conditions de quorum sont remplies, Monsieur le Président. Bien, merci, Monsieur le Secrétaire Général Adjoint. Alors, je rappelle que l'article 75 de la loi organique statutaire dispose qu'une séance par session ordinaire au moins est réservée par priorité aux questions des membres du Congrès et aux réponses du président et des membres du gouvernement. Le règlement intérieur fixe les règles de présentation et d'examen de ces questions. Les articles 45 et 46 du règlement intérieur de notre institution fixent les modalités de présentation et d'examen de ces questions. Ainsi, en application de ces dispositions, dans le cadre de cette séance, tout membre du Congrès a le droit de poser des questions orales, appelant des réponses du gouvernement et portant sur les affaires de la Nouvelle-Calédonie, c'est-à-dire entrant dans le champ de compétences de celle-ci. 12 questions ont été déposées au secrétariat général du Congrès jusqu'au 3 janvier 2020 et ont été ensuite notifiées au gouvernement. Une question a été retirée le 6 janvier par l'auteur de la question, M. Alcide Ponga. Lorsque la question est appelée en séance, son auteur en donne lecture. Le représentant du gouvernement lui répond.
Les questions ne donnent lieu à aucun débat. Il s'agit de l'article 46 du règlement intérieur. Je vous précise que l'ordre de passage des questions sera déterminé après tirage au sort. Après la réponse du gouvernement, chaque auteur disposera de 2 minutes, le cas échéant, pour répondre. Donc, je rappelle l'organisation de la séance. Donc, nous allons procéder au tirage au sort de la question par le secrétaire général. Ensuite, la lecture de l'objet de la question par le président du Congrès. L'auteur donne ensuite lecture de la question, 2 minutes au maximum. Le représentant du gouvernement donne ensuite la lecture de sa réponse, 4 minutes. Ensuite, il y aura une possibilité pour l'auteur de répondre au gouvernement environ 2 minutes, ce qui fait 4, 5, 6, 7, 8 minutes par question, éventuellement. Bien, alors, Monsieur le secrétaire général, nous pouvons commencer. Monsieur le président du gouvernement. Merci, Monsieur le président du Congrès. Je voulais faire une intervention liminaire avant que vous tiriez la première question. Je crois que dans l'histoire de nos institutions, c'est la première fois qu'on se retrouve dans cette situation. Je veux dire par là que, objectivement, le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie a eu un jour pour préparer les questions que vous avez déposées. Votre bureau donc, a permis aux groupes politiques de déposer leurs questions jusqu'à vendredi dernier, ce qui a été fait. Et vous le savez, nous sommes en séance tous les mardis matin. Et on se retrouve maintenant en séance publique du Congrès mardi après-midi. Donc objectivement, nous n'avons disposé que d'une seule journée pour préparer les réponses aux questions qui ont été posées par le Congrès de la Nouvelle-Calédonie. Je ne veux pas croire que ce soit une volonté de mettre le gouvernement en difficulté. Je ne veux pas croire que ce soit un manque de considération du Congrès de la Nouvelle-Calédonie envers le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie. Mais je souhaiterais, Monsieur le Président du Congrès, qu'à l'avenir, vous nous laissiez un peu plus de temps pour répondre de la manière la plus claire et précise aux questions importantes qui sont posées par les membres du Congrès de la Nouvelle-Calédonie. Merci, Monsieur le Président. Merci, Monsieur le Président du gouvernement. Monsieur le Secrétaire général, est-ce que vous pouvez lire et interpréter l'article 46, s'il vous plaît ? Merci, Monsieur le Président. L'article 46 du règlement intérieur, effectivement, prévoit un délai de 3 jours au moins entre le dépôt des questions et leur examen en séance. Il est vrai que le règlement, tel qu'il a été conçu en 2000 et révisé en 2013, laisse aux élus la possibilité de déposer des questions adressées au gouvernement jusqu'à 3 jours avant la séance dédiée aux questions. C'est un sujet qui n'est pas nouveau, Monsieur le Président, et il est vrai qu'on peut reconnaître aussi que ce délai est court. C'est la raison pour laquelle, par le passé, le bureau proposait, alors dans les premières séances de questions qui se sont déroulées en 2011, entre 2011 et 2014, le bureau laissait 15 jours au gouvernement pour pouvoir répondre. Ces délais de 15 jours étant mis à profit pour permettre au gouvernement de prendre collégialement connaissance de la question déposée, de traiter techniquement la question et de valider collégialement la réponse. Entre 2014 et 2019, certains élus ont considéré que ce délai était court. C'est pourquoi il avait été ramené à l'époque, hors règlement intérieur, à 8 jours. Là aussi, l'idée était bel et bien que le gouvernement puisse collégialement traiter dans un délai raisonnable les questions qui étaient déposées. Néanmoins, le problème qui s'est posé sous la précédente mandature, et notamment lors des 2 dernières séances de questions au gouvernement, certains groupes politiques nous avaient dit bah, « voilà, vous prévoyez jusqu'à 8 jours, enfin, vous prévoyez 8 jours minimum entre le dépôt des questions et la séance de questions », sauf que le règlement intérieur laisse aux groupes politiques jusqu'à 3 jours pour déposer les questions. Donc, vous n'avez pas le droit de refuser des questions qui seraient déposées entre 8 et 3 jours avant la séance de questions. C'est la raison pour laquelle le précédent président est revenu à une application stricte du règlement intérieur, et en particulier l'article 46, qu'il faudra sans doute, Monsieur le Président, réviser si on veut allonger le délai pour tenir compte des préoccupations légitimement exprimées par le gouvernement. Bien, merci, Monsieur le Président.
Oui, merci, Monsieur le Président du Congrès. Je ne souhaite pas entamer une polémique. Hein, et j'ai vérifié effectivement que vous respectiez le règlement intérieur. C'est la moindre des choses. Mais juste simplement, vous le savez, dans les trois jours, on a eu un week-end. Donc objectivement, on n'a eu qu'une seule journée. Et je profite de l'occasion pour remercier les directions de la Nouvelle-Calédonie pour leur sérénité et leur célérité et leur efficacité. Pour nous avoir transmis malgré tout très rapidement des éléments de réponse et qui ont ensuite été utilisés par les membres du gouvernement pour les réponses qui vont vous être présentées cet après-midi. Donc c'était juste simplement vous demander si on doit rester sur les trois jours, peut-être que ce soit trois jours de semaine et qu'on puisse avoir véritablement le temps d'étudier les questions, de partager en collégialité ce qui a été fait plus ou moins ce matin, mais de manière très très succincte, pour que les choses se passent au mieux. C'est tout ce que je voulais dire. Bien, merci, Monsieur le Président. Donc, je vais y veiller, puisque dans les jours, les semaines qui suivent, nous allons proposer une modification du règlement intérieur sur l'article 46. Bien, alors nous pouvons procéder au tirage au sort de la première question, s'il vous plaît, Monsieur le Secrétaire général. Bien, merci, Monsieur le Président. Il s'agit de la question numéro 4 déposée par Madame Ruffnac et qui porte sur le dispositif continuité pays. Madame Ruffnac, vous avez la parole. Merci, Monsieur le Président. Mes chers collègues, le dispositif continuité pays a été instauré en 2012 par délibération du Congrès. Il repose sur une convention entre la Nouvelle-Calédonie, les provinces et le transporteur. Cette continuité pays finance une partie du titre de transport des résidents des îles entre ces îles et la Grande Terre. Ce dispositif a été élargi au transport maritime en 2014. Monsieur le membre du gouvernement, Monsieur Thuénon, nous souhaiterions avoir des précisions sur le dispositif de continuité pays aérien et maritime aujourd'hui en vigueur, et en particulier, pouvez-vous nous dresser un état des lieux actualisé de ce dispositif ? Tant au niveau fonctionnel que financier. En particulier, vous est-il possible de nous préciser l'organisation du dispositif, qui y a droit, combien de fois par an, où s'applique-t-il ? Y a-t-il un cumul de ce dispositif avec d'autres aides ? Pouvez-vous également nous indiquer son impact financier, coût pour les collectivités de la Nouvelle-Calédonie et par personne depuis 7 ans, évolution du montant de l'aide depuis 2012 ? Modalités financières de versement des aides. Par ailleurs, pourriez-vous nous dresser les perspectives à court, moyen et long terme de ce dispositif, notamment au regard d'une part de la situation financière des collectivités calédoniennes et de la Nouvelle-Calédonie en particulier, sachant qu'il y a une diminution annoncée des participations des provinces, des provinces Nord et Îles. Enfin, pouvez-vous évoquer la nature de l'objectif visé par les études inscrites au budget de la Nouvelle-Calédonie sur la mise en place des délégations de services publics en matière maritime et aérienne, en particulier pour les îles. Je vous remercie. Bien, merci, Madame Ruffnac. Monsieur le vice-président, s'il vous plaît. Merci, Monsieur le Président. Merci, Madame la conseillère, pour votre question. Vous l'avez d'ores et déjà indiqué dans votre réponse. Le dispositif continuité pays concerne bien évidemment deux types de transport, le transport aérien et le transport maritime. La mise en place pour l'aérien a été opérée par délibération numéro 184 du 9 janvier 2012 et celui sur le maritime un an plus tard, la délibération 337 du Congrès du 30 novembre 2013. Ce dispositif d'aide au transport des passagers n'est pas nouveau. Puisque avant le dispositif continuité pays, il existait un dispositif qui a été mis en place par la Nouvelle-Calédonie et les trois provinces et qui s'appelait la convention Résil et qui permettait aux habitants de nos communes insulaires, à savoir Belep, Île des Pins, Lifou, Marais, Ouvéa et Tiga, de voyager à des tarifs préférentiels sur l'aérien. Le dispositif qui a été mis en place a été d'abord financé par la Nouvelle-Calédonie sur son budget propre jusqu'en 2016. À partir de 2016, le relais, la DANC s'est substitué à la Nouvelle-Calédonie.
par une dotation de 30% de la taxe sur la taxe de péage. Donc 30% du budget du port autonome a été retiré au port autonome pour financer ce dispositif et donc alloué à la DONC. Depuis 2018, la taxe générale à la consommation s'est substituée à la taxe de péage. Donc dorénavant, c'est le Congrès qui, tous les ans, décide de l'octroi au travers du budget de reversement de la part de la TGC qui vient financer le dispositif continuité pays. Le dispositif le cadre de la continuité pays de 2012 prévoyait que les provinces pouvaient participer, je précise bien, pouvaient participer au financement de ce régime à hauteur de 25%. Ce qui a été fait pour la province sud et la province île. La province nord, pour sa part, pour nos résidents de Bélep, n'a jamais souhaité participer à ce dispositif-là. L'aide à la continuité pays bénéficie depuis une révision aussi en 2016 à 5 allers-retours par personne et par an. Auparavant, c'était 8 allers-retours. Sur le maritime, on a gardé les 8 allers-retours. Qu'est-ce que ça impacte au niveau des passagers ? Aujourd'hui, le montant forfaitaire payé par les passagers qui bénéficient de cette aide-là est de l'ordre de 10 900 francs pour un voyage aller-retour pour quelqu'un qui habite les îles Loyauté, de 7 400 pour un trajet île des Pins et normalement de 9 000 pour un trajet Bélep-Koumak. Pour les enfants, c'est moitié moins cher. Toutes ces précisions sont dans une note qui a été produite par la direction de l'aviation civile. Et je m'associe au remerciement du président quant à la promptitude de leur réponse. Pour répondre plus précisément à vos questions, qui a droit ? Ben, essentiellement les résidents des îles, ceux qui habitent nos communes insulaires, parce que c'est comme ça que ça avait été décidé. Donc c'est les gens de Bélep, de l'île des Pins, de Tigard, de Marie, Lifou et Ouvert. Depuis la révision, ils y bénéficient de 5 allers-retours sur l'aérien, 5 allers-retours par personne et par an. Et sur le maritime, 8 allers-retours par personne et par an. Et ils s'appliquent essentiellement et uniquement aux communes insulaires. Ça, c'est ce qu'il faut retenir. Et on a fait de telle sorte qu'il n'y ait pas de cumul, pour répondre à l'une de vos questions, qu'il n'y ait pas de cumul avec les autres dispositifs d'aide. Il s'agit notamment pour la province des îles, de dispositif solidarité transport. Les personnes résidant aux îles Loyauté qui bénéficient d'ores déjà de l'aide solidarité transport ne sont pas éligibles aux continuités pays. Sur les coûts, d'abord par personne et puis le coût depuis 2012 que ça a été mis en place. Par personne aujourd'hui, si on prend les chiffres de 2018, hein, 2018, le dispositif a coûté à peu près 473 millions. Ça a bénéficié à 22 523 personnes à peu près. Ça représente un peu plus de 95 000 coupons aller-retour. Donc si on fait une division sur chaque... Ça dépend de ce que vous allez chercher. En fait, par personne, ça ferait 22 523 francs. Et si on prend par coupon, ça ferait 4 970 à peu près par coupon. Depuis... Monsieur le Président, pouvez-vous conclure, s'il vous plaît? Oui, rapidement, sur le coût, depuis 2012. En 2012, le dispositif a coûté 521 millions. 2014, 2012, 612 millions. En 2016, 604 millions. En 2017, 460 millions. En 2018, 473 millions. Cette année, ça devrait tourner aux alentours de 487 millions. Et les perspectives 2020, c'est de l'ordre de 490 millions. En sachant que pour 2020, les provinces sud et les provinces île ont déjà indiqué au gouvernement qu'ils ne participeraient plus à ce financement. Voilà. Merci, monsieur le vice-président. Madame Rufnak, avez-vous un commentaire à faire? Oui, très rapidement, monsieur le président. D'abord, remercier. Oui, 2 minutes, hein? Oui,
remercier le membre du gouvernement en charge du secteur d'avoir apporté des réponses claires et dire qu'effectivement, on trouvera dans les notes probablement qui ont été fournies au Congrès de la Nouvelle-Calédonie les autres éléments, notamment sur les délégations de services publics en matière aérien et maritime et d'autres éléments. Merci, Monsieur le Président. Merci, Madame Ruffenac. Deuxième question, s'il vous plaît. Monsieur le Président, il s'agit de la question numéro 3 déposée par Madame Wateou et qui porte sur la lutte contre les violences intrafamiliales. Merci, Monsieur le Secrétaire général. Madame Wateou, vous avez la parole. Merci, Monsieur le Président. Mes chers collègues, comme annoncé dans la déclaration de politique générale du Président Santa, la lutte contre les violences intrafamiliales est maintenant une grande cause territoriale. À ce titre, et dans le prolongement du Grenelle qui s'est tenu en France le 25 novembre dernier, Madame le membre du gouvernement en charge du secteur de la lutte contre les violences intrafamiliales, Madame Isabelle Champmoreau, a présenté la restitution des ateliers effectués en Nouvelle-Calédonie. Au lendemain de cette restitution et de la signature de la charte d'engagement par les différents représentants des institutions politiques et judiciaires de la Nouvelle-Calédonie, pouvez-vous nous dire quelles sont les suites concrètes qui seront déclinées à l'échelle territoriale ? Comment les préconisations évoquées lors de ces ateliers seront-elles mises en place ? De quelle façon les victimes pourront-elles bénéficier des dispositifs mis en place ? Et comment seront associées les différentes collectivités qui œuvrent également à la résorption de ce fléau ? Je vous remercie. Merci, Madame Wateou. Madame Champmoreau, s'il vous plaît. Merci, Monsieur le Président. Madame la conseillère, dès son installation, notre gouvernement a fait le choix de créer un secteur dédié à la lutte contre les violences faites aux femmes. En effet, les chiffres pour la Nouvelle-Calédonie sont accablants. Il y a donc urgence à renforcer et à développer nos actions dans ce domaine, dans le domaine de la lutte contre les violences faites aux femmes, mais aussi pour garantir l'égalité entre les femmes et les hommes, car ce sont deux problématiques étroitement liées. En août 2019, le président du gouvernement énonçait déjà clairement cette priorité de notre mandature. Le 23 novembre 2019 avait lieu la restitution du Grenelle calédonien contre les violences conjugales qui a réuni plus de 120 participants. Les questions de gouvernance, de prévention, de l'information des victimes, de la formation des partenaires, mais aussi de l'amélioration du parcours de prise en charge des victimes et de leurs familles ont été au cœur des débats. Le Haut Conseil pour l'élimination des violences à l'égard des femmes se réunira en début d'année 2020 afin de proposer une feuille de route cohérente et concertée à l'échelle du territoire. Les engagements prioritaires du gouvernement issus des travaux du Grenelle ont d'ores et déjà été inscrits au BP 2020. Malgré les contraintes budgétaires, les subventions dédiées aux associations du secteur ont été sacralisées au sein de ce budget. 10 millions ont été prévus pour financer la phase préparatoire de l'enquête « Cadre de vie et sécurité » qui sera menée par l'ISE et qui permettra d'avoir des résultats fin 2021. L'État serait sollicité pour compléter cette enveloppe. Ainsi, plus de 3000 personnes seront interrogées pour quantifier les faits de violence et analyser leurs conséquences physiques et psychologiques. Le DAV, dispositif d'aide aux victimes, fonctionnera l'année en 2020 dans une phase expérimentale et un état d'activité du dispositif nous permettra d'en mesurer la portée et de réorienter ses missions si nécessaire. 2020 verra également la mise en circulation d'un bus itinérant qui devra apporter des services de proximité aux populations les plus éloignées en matière d'accès aux droits, de prévention, de détection des violences et d'information sur les dispositifs existants. Ce projet devra également être financé en partenariat avec l'État. Les élus du Congrès ont également validé l'inscription de crédits dédiés au développement d'outils de communication, notamment la création d'un site Internet et d'un annuaire dédié qui informera au mieux les victimes et permettra la mutualisation des dispositifs. Dans le cadre du plan territorial de sécurité et de prévention de la délinquance, nous renforcerons le réseau de familles d'accueil en milieu coutumier. Dans un cadre plus large, je ne vais pas entrer dans les détails, mais nous allons accentuer la prévention dans les établissements scolaires et une loi de pays sur l'égalité professionnelle est en préparation, ainsi qu'une charte qui sera initiée avec le monde économique pour détecter et prévenir les violences au sein des entreprises. Les partenaires signataires de la charte ont d'ores et déjà annoncé des mesures immédiates, comme le lancement du téléphone grave danger, l'extension à la Nouvelle-Calédonie du bracelet anti-rapprochement et la création de nouvelles places d'hébergement, notamment pour la province sud, en partenariat avec les bailleurs sociaux. D'autres sujets doivent faire l'objet d'une réflexion plus approfondie, comme le statut de l'enfant victime, la question des addictions, mais également la prise en charge des détenus en matière d'addictologie.
mais aussi la formation des professionnels de manière générale en matière de primo-écoute et de détection des violences, la question du secret médical, mais aussi le lien à renforcer avec les autorités coutumières pour mettre en place des mesures spécifiques et adaptées. Les dispositifs législatifs devront être présentés en 2020 pour traduire et mettre en œuvre ces différentes mesures. Je voudrais juste conclure en disant que ce fléau, le fléau des violences familiales qui affecte profondément l'équilibre social de notre société et a des conséquences graves sur l'avenir de notre jeunesse, ne doit plus être un tabou. Il est de notre responsabilité, une responsabilité collective, d'être solidaire et mobiliser de manière durable pour changer progressivement les représentations sur ce sujet et réduire le nombre d'actes de violence commis envers les femmes et leurs familles. Merci, Madame Chamorreau. Madame Ouattéou, non, il n'y a pas de commentaire. Nous passons à la troisième question. Bien. Il s'agit de la question numéro 2, déposée par Madame Malfar Paouga et qui porte sur le parc naturel de la mer de Corail. Merci. Madame Malfa Paouga, vous avez la parole. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Président, mes chers collègues, depuis sa création en 2014 et l'arrêt de son plan de gestion en 2018, nous souhaiterions avoir un point de situation sur ce qui a été fait pour le parc de la mer de Corail et en particulier un point actualisé sur les mesures effectives prises depuis l'adoption de son plan de gestion en 2018. Un point sur la gouvernance du parc et sur les retombées économiques, touristiques, sociales et environnementales pour la Nouvelle-Calédonie depuis sa création et les perspectives d'évolution à court, moyen et long terme dans des mesures relatives au parc, notamment financières et structurelles. Je vous en remercie. Merci, Madame Malfa Paouga. Monsieur Germain, vous avez la parole. Merci, Monsieur le Président. Madame la conseillère, je vous remercie pour votre question qui nous permet de faire un premier bilan autour de la création en 2014 du parc naturel de la mer de Corail. Comme vous l'avez noté, après 4 années de discussion au sein du comité de gestion, cette orientation stratégique pour notre pays a connu une accélération en 2018. Le plan de gestion du parc a été adopté en avril. 28 000 km² de récifs dits pristines, soit un tiers du patrimoine mondial, ont été classés en réserve intégrale ou naturelle au mois d'août suivant, valant à la Nouvelle-Calédonie les honneurs de la presse mondiale. Dans la foulée, le comité scientifique du parc, composé de 12 membres, a été créé. En parallèle, le gouvernement s'est doté d'une stratégie de valorisation du parc en voulant faire de la préservation de la biodiversité un axe de développement durable reposant sur 4 piliers. Faire de la Nouvelle-Calédonie un pôle d'excellence de la recherche, devenir un pôle d'innovation pour favoriser l'émergence de start-up et surtout de soutenir la transformation et le développement d'activités économiques éco-responsables. Enfin, partager notre stratégie, nos savoir-faire et nos enjeux avec nos voisins de la Mélanésie. Cette ambition se structurera véritablement avec la création de la Cité de la connaissance, dont l'objectif et d'organiser le continuum, la continuité entre la recherche, l'innovation, la valorisation de notre patrimoine naturel, mais aussi culturel et historique, auprès du grand public et notamment de notre jeunesse. C'est ce qui a conduit le gouvernement à répondre à l'appel à projet national territoire d'innovation fin 2017. Et comme vous le savez, notre candidature a été retenue par l'État, qui accompagnera à hauteur de 1,9 milliard les 18 porteurs de projets calédoniens, dont l'investissement total est estimé à 8,6 milliards de francs CFP. Aujourd'hui, nous travaillons à la finalisation du GIP Parc naturel de la mer de Corail, qui a vocation à regrouper la Nouvelle-Calédonie, mais également les 3 provinces et l'État. Cet instrument, qui sera la cheville ouvrière, est nécessaire à la mise en œuvre du plan de gestion et de la stratégie de valorisation du parc. En 2020, notre feuille de route nous conduira à travailler sur le niveau de protection des monts sous-marins et des îles hautes de Whirlpool Matthew Hunter au sud-est de notre ZEE, à débuter le programme de surveillance du parc, à poursuivre nos actions de recherche et de suivi des écosystèmes, à développer notre connaissance du patrimoine culturel attaché à la mer, à sensibiliser les Calédoniens sur leur patrimoine et sur la nécessité de le préserver et surtout les potentiels qu'il leur offre,
à valoriser sur la scène régionale et internationale notre politique de préservation et de valorisation du parc à l'occasion de l'année internationale de la biodiversité. Enfin, à rechercher à l'extérieur de nouvelles sources de financement. En conclusion, même si nous n'en sommes qu'au début, notre ambition prend forme. La Nouvelle-Calédonie commence à être reconnue pour son patrimoine et sa volonté de le protéger. Des capitaux privés et des aides publiques s'orientent vers la protection et la valorisation de ce patrimoine. Alors, si vous me le permettez, puisque la période s'y prête, je formerai deux vœux pour la décennie qui s'ouvre. Le premier, que l'image de la Nouvelle-Calédonie soit intimement attachée à son patrimoine naturel d'exception. Le second, que ce projet pilote autour du parc naturel de la mer de Corail puisse irriguer le développement de notre pays en apprenant à mieux valoriser notre formidable patrimoine naturel, culturel et historique. Je vous remercie. Merci, Monsieur Germain. Madame Malfa-Pomo, avez-vous quelque chose à dire ? Un commentaire ? Oui, Monsieur le Président, merci. Allez-y, deux minutes. Je remercie donc le monde du gouvernement et au vu de la réponse qui vient d'être donnée, simplement signaler qu'on sera très vigilant sur la nature des dépenses engagées sur ce parc. Merci. Merci. Quatrième question, s'il vous plaît. Monsieur le Président, il s'agit de la question numéro 5 déposée par Madame Naisline et qui porte sur l'urgence climatique. Merci. Madame Naisline, s'il vous plaît, vous avez la parole. Merci, Président. Monsieur le Président, mes chers collègues, aujourd'hui, 70% des côtes sableuses dans le monde sont en érosion. Cela conduit nombre de pays à réviser leur plan d'occupation des sols. Par exemple, en Afrique de l'Ouest, notamment au Togo, le phénomène a pris une telle ampleur que les populations riveraines sont forcées à abandonner leur habitation. Dans le Pacifique, les petits États insulaires alertent sans répit sur le sujet et déplacent d'ores et déjà une partie de leur population à l'intérieur des terres, pour peu que cela leur soit possible. Les côtes de la Nouvelle-Calédonie sont également impactées. Selon les rapports de notre observatoire du littoral oblique, une érosion et un recul du trait de côte sont enregistrés sur plusieurs sites pilotes observés. Ceci concerne aussi bien la Grande Terre que les îles et les îlots. D'après ces études, 56%, soit la moitié, de la longueur cumulée du linéaire côtier des sites pilotes serait affectée par l'érosion, avec des évolutions très variables en fonction des sites. La côte est notamment, où la bande côtière est étroite, subit de plein fouet cette érosion, tout comme l'île d'Ouvéa. Cette problématique, bien qu'identifiée par certains acteurs depuis longtemps, n'a pour l'heure pas encore donné naissance à une véritable stratégie concertée. Les questionnements sont nombreux. Ils portent par exemple sur le degré d'occupation de la zone littorale, le type et l'importance des infrastructures en place ou à bâtir, l'identification des différentes parties prenantes et de leur rôle au regard des compétences respectives de chacune, le coût financier et humain de l'adaptation et les fonds disponibles à la sécurisation juridique au regard des droits d'occupation des sols et des questions assurantielles. Nous avons, le 23 décembre dernier, voté ici même, à l'unanimité, un vœu déclarant l'urgence climatique de notre pays. Et c'est dans cette optique, Monsieur le Président du gouvernement, que je vous pose la question suivante. Avez-vous une stratégie pour une gestion des espaces mouvants et une sécurisation des populations qui en ont l'usage, avec un maintien du dynamisme et du développement durable des côtes ? Merci, Monsieur le Président. Merci, Madame Naisline. Monsieur Diaoué. Oui, Madame la conseillère, merci pour cette question qui est bien une question d'actualité. Aujourd'hui, la protection et le devenir des côtes, des espaces côtiers devient un problème majeur. C'est une question qui est mondialement posée. Et la Calédonie, les côtes calédoniennes ne sont pas épargnées. Et vous l'avez dit dans votre rapport que cette problématique, elle est identifiée déjà depuis longtemps. Mais ici, au niveau du pays, rien n'est fait pour le moment. Alors, quand on dit rien n'est fait, il y a quand même des opérations urgentes qui ont été menées par un certain nombre de communes
liées à des urgences de protection des populations habitant sur le bordure de côte, ou bien pour protéger des infrastructures d'intérêt général. Ça, ça a été fait par des communes et notamment également des provinces quand il faut également protéger, par exemple, des infrastructures routières. Vous l'avez dit, cette problématique-là, elle a été identifiée déjà depuis plusieurs années, mais au niveau du pays, concrètement, rien n'est fait. Il n'y a pas une stratégie commune, pays, pour pouvoir apporter des réponses à cette problématique. On en a discuté tout à l'heure au niveau du gouvernement, et le président du gouvernement l'a redit, en réunion de collégialité. Ce qui a été décidé tout à l'heure, c'est que lorsqu'il s'agit de protéger des espaces côtiers et sécuriser les populations qui habitent en bordure du littoral, il y a deux choses. C'est soit on étudie la manière de protéger la côte, soit par des actions, l'enrochement ou d'autres moyens, d'autres systèmes, ou soit la protection ne peut pas être faite et donc il faut envisager le déplacement des populations vers un autre site. Ce sont les deux cas de figure qui peuvent se présenter à nous. Donc ça veut dire qu'il faut que l'on arrive au niveau des collectivités à mettre en place une démarche qui soit concertée avec l'ensemble des partenaires institutionnels. Pour le moment, ça n'a pas été fait. Alors, la décision qui a été prise tout à l'heure, c'est que le gouvernement s'engage à créer un espace de concertation avec les différents partenaires, l'État, les provinces, les communes et les autorités coutumières. Parce que si, quand on parle de déplacement de population, ceux qui habitent sur les terres coutumières en bordure du littoral sont sur des terres coutumières. Et s'il faut les déplacer ailleurs, c'est les déplacer ailleurs pour aller où ? Mais pour aller dans un autre lieu, donc ça veut dire qu'il y a besoin de discuter. Et les autorités coutumières, ils sont là, leur rôle est important. Donc il faut que l'on arrive à trouver la démarche à suivre. Et donc c'est à ce niveau-là que le gouvernement s'engage à créer cet espace de parole et demander aux différentes partenaires institutionnels, l'État et les coutumiers, pour que l'on puisse mettre en place la démarche à suivre lorsqu'il s'agit de mener des opérations sur l'ensemble du pays. Et bien évidemment, quand on parle de trouver des systèmes de protection des côtes, ou bien quand il faut envisager le déplacement des populations, il y a également la question du financement. Donc au niveau de cet espace de concertation, il va falloir également envisager... penser au financement des opérations. Voilà, Monsieur le Président, les réponses que je peux apporter. Merci, Monsieur Diaoué. Madame Leslin, avez-vous un commentaire à faire ? Oui, non, juste remercier le membre du gouvernement pour les précisions et la démarche, en tout cas la volonté de vouloir trouver cet espace, de créer cet espace pour que tous les acteurs concernant ce sujet qui est d'actualité, mais qui est urgent aussi, puissent trouver ensemble une solution pour notre pays. Merci. Merci, Madame Meslin. Cinquième question, Monsieur le Secrétaire Général. Merci, Monsieur le Président. Il s'agit de la question numéro 6 déposée par Monsieur Toutougoro et qui porte sur la mine. Merci, Monsieur Toutougoro. Vous avez la parole. Oui, merci, Président. Donc, la Nouvelle-Calédonie a adopté en 2009 son code minier, régissant un secteur important de notre économie. Il a une vocation réglementaire qui nous permet, au niveau de notre pays, de régir à peu près tous les cas de figure qui se posent à nous sur ce secteur. Différentes réglementations internes nous permettent d'obtenir des niveaux d'exigence importants en ce qui concerne la protection de notre environnement. Les codes provinciaux de l'environnement sont bien utiles à ce sujet. Très récemment, la multinationale Vale, par son directeur de l'usine de Gourou, a fait savoir
tout l'attachement qu'elle avait sur les qualités de son outil en Nouvelle-Calédonie. Parmi les arguments défendus, et bien compréhensibles puisque cette usine est à vendre, le respect des préoccupations des populations locales et le respect de l'environnement sont rappelés régulièrement. La tendance actuelle est pour toutes les entreprises internationales de pouvoir attester que leur produit est issu d'une exploitation durable des ressources naturelles. Bref, pour Valais comme pour d'autres ici, il va s'agir de prouver que leur nickel est du nickel vert, au sens environnemental du terme. Au mois de mai 2013, le président Hollande s'est engagé à mettre en œuvre l'ITIE, la norme mondiale pour la transparence des revenus issus des ressources naturelles. L'ITIE est une sorte de label international visant à certifier que les revenus tirés de la mine pour nous, ici, donc respectent bien des principes éthiques en matière d'environnement, de finance, de lutte contre la corruption en particulier. D'autres normes de ce type existent au niveau international. Vous n'en citez que deux autres, il y a l'indice de gouvernance des ressources naturelles ou bien la charte des ressources naturelles. Ma question, monsieur le président du gouvernement, est la suivante. Est-ce que la Nouvelle-Calédonie compte s'engager vers la mise en œuvre d'une reconnaissance internationale certifiée de son secteur extractif et donc aller vers la souscription à une de ces normes aux chartes internationales? Voilà pour ma question. Merci, monsieur Tidugo, monsieur le président du gouvernement. Merci, monsieur le président du Congrès. Merci, monsieur le conseiller, pour la question. La norme ITIE pour initiative de transparence de l'industrie extractive a pour but de faire progresser la transparence autour des retombées de l'exploitation des ressources naturelles et de leur gestion responsable. Elle contribue, entre autres objectifs, au renforcement de la confiance des investisseurs dans le secteur minier et donc au développement responsable des activités minières. Elle exige des pays qu'ils mettent sur pied une coalition tripartite réunissant le gouvernement, les entreprises et la société civile afin de procéder à la publication d'un large éventail d'informations sur la chaîne de valeur extractive. Ces informations sont publiées dans un rapport annuel qui permet aux citoyens de voir par eux-mêmes comment les ressources naturelles de leur pays sont gérées et la quantité de revenus ainsi générés. Pour l'heure, une cinquantaine de pays, dont peu de grands pays industriels, se sont inscrits dans ce processus, mais on peut noter que l'Indonésie et les Philippines y souscrivent déjà. Le gouvernement français s'est engagé en juin 2013 à ce que la France y adhère avant fin 2017, sans que cela ne soit effectif, hélas, aujourd'hui. Pour ce qui concerne la Nouvelle-Calédonie, la réglementation en vigueur, en particulier le code minier et le code des impôts, oblige déjà à la transparence de la majorité des informations visées par la norme. Les réglementations et les attributions de permis sont accessibles sur Internet au travers du journal officiel de la Nouvelle-Calédonie. Le cadastre minier est consultable sur le site georep.nc. Les informations sur les statuts et l'actionnariat des entreprises minières sont obligatoirement transmises à l'administration, conformément au code minier. Chaque mois, les statistiques de production sont publiées sur le site internet de la DIMINC. Quant aux chiffres de l'emploi et de la contribution du secteur du nickel à l'économie de la Nouvelle-Calédonie, ils sont régulièrement publiés par l'ISE. Concernant le volet environnemental, le schéma de mise en valeur des richesses minières de la Nouvelle-Calédonie a inscrit le secteur minier et métallurgique dans un objectif de développement durable. Cet objectif a trouvé sa traduction particulièrement exigeante, à la fois dans le code minier, mais aussi dans chacun des codes provinciaux de l'environnement. Finalement, l'inscription de la Nouvelle-Calédonie dans une norme internationale du type ITIE ne serait qu'une manière de labelliser le processus déjà en place. En revanche, un tel label constituerait un élément de compétitivité hors coût de la Nouvelle-Calédonie de façon à pérenniser son activité minière face à des pays concurrents, certes à bas coût, mais aux exigences environnementales bien moindres. Je vous remercie. Merci, monsieur le président du gouvernement, monsieur Tidugo. Nous simplement remercier pour la réponse. Yeah. La réponse. Merci. Septième question, sixième question. Merci, monsieur le président. Il s'agit de la question enregistrée sous le numéro 9, déposée par madame Manuo Alalo, et qui porte sur l'énergie.
Madame Manoa Alalo, vous avez la parole. Merci, Monsieur le Président. Le 28 octobre 2019, le Conseil d'administration d'Enercal a validé l'accord avec la SLN sur le tarif de vente de l'électricité produite par le barrage de Yaté. Cet accord, conclu pour 4 ans à compter du 1er janvier 2020, prévoit un dispositif de bonus-malus fixé en fonction du cours du nickel. Autrement dit, si le cours du nickel est inférieur à 6,5 dollars la livre, Enercal devra verser à la SLN un malus plafonné à 1 milliard de francs par an. Lors de sa conférence de presse du 29 octobre 2019, le gouvernement s'est engagé à ne pas augmenter les tarifs publics des Calédoniens. Le 31 octobre 2019, le groupe Calédonie Ensemble a demandé qu'un débat public soit organisé au Congrès. Une commission plénière s'est réunie, à huis clos, le 25 novembre 2019. À cette occasion, nous avons appris qu'un protocole devait être signé avant le 31 décembre 2019 entre Enercal et la SLN. Ce protocole est soumis à 3 conditions suspensives qui concernent tout le gouvernement sans que celui-ci soit partie prenante de l'accord, ce qui nous semble constituer une curiosité juridique. Ma question s'adresse donc à M. Christopher Gigès, membre du gouvernement en charge notamment de l'énergie. Pardon, Gigès, excusez-moi. Où en est-on de la réalisation des conditions suspensives ? Qu'en est-il du versement par la Nouvelle-Calédonie de la composante de stabilisation due à Enercal ? Qu'en est-il de la neutralisation fiscale des effets du protocole pour Enercal ? Qu'en est-il de l'engagement de la SLN sur l'achat du productible de la future centrale ? Merci, M. Gigès, s'il vous plaît, pour la réponse. Oui, merci, M. le Président, mesdames et messieurs les conseillers, Madame la conseillère. Vous m'interrogez sur la question du protocole qui a été signé entre Enercal et l'SLN sur la question du barrage de Yaté, donc qui prévoyait 3 conditions suspensives, ce que vous avez pu rappeler. La première condition suspensive étant la prise en charge dans la composante de stabilité de ce protocole d'accord et des discussions qui ont pu avoir lieu entre les opérateurs. Donc le président du gouvernement, par courrier, le 31 décembre, a adressé au président d'Enercal, qui est présent dans l'Assemblée, un courrier indiquant que ce protocole d'accord était pris en charge dans la composante de stabilité, puisque l'accord, le contrat d'achat entre SLN et Enercal sur le prix du barrage de Yaté avait été intégré à la composante de stabilité en 2016 et donc était naturellement pris en compte dans la composante de stabilité. Un arrêté fixant cette composante du premier trimestre 2020 prendra en compte, donc in fine, le protocole d'accord. La deuxième question était sur la question du retraitement fiscal et finalement que si cet accord avait des conséquences négatives sur la composante de stabilité et des conséquences fiscales négatives pour Enercal, il ne devait pas avoir de répercussions. Donc là-dessus, on s'est entendu avec Enercal pour se laisser un peu plus de temps, parce que c'est une question qui est compliquée au niveau fiscal, pour répondre à cette question. Et une réponse sera faite dans les tout prochains jours pour apporter une réponse fiable sur la question de la fiscalité. Enfin, vous m'interrogez, Madame la conseillère, et je suis assez surpris sur ce point-là, sur les discussions, finalement, le troisième point qui revient à la condition suspensive numéro 3 et le remboursement de la composante de stabilité, je suis assez surpris sur ce point-là, car on a l'impression que Calédonie Ensemble n'a pas été au pouvoir ces 5 dernières années et n'a pas été en charge de l'énergie ces 5 dernières années. Parce que la composante de stabilité a été quelque chose qui est revenu régulièrement. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui a été, la composante de stabilité a été remboursée une seule fois en 2013, quand Sonia Bacas était membre du gouvernement en charge de l'énergie. Depuis 5 ans, cette composante de stabilité n'a pas été remboursée. Néanmoins, on a pu indiquer dans le courrier qui a été adressé à Enercal qu'aujourd'hui, ça paraissait compliqué à Enercal d'assumer seul ce dispositif. Et il y a des choses qui doivent être engagées, mais il y a des choses qui doivent être également éclaircies. C'est-à-dire qu'il y a une dette qui a été qui est en cours de Enercal vis-à-vis de la Nouvelle-Calédonie pour un montant d'1,5 milliard qui doit être évoquée, comme les autres charges externes de la société Enercal qui pèsent sur la composante de stabilité, qui a augmenté de plus d'1 milliard par an depuis 5 ans et qui pèse très fortement sur notre composante de stabilité. Donc ce qu'a indiqué le président du gouvernement sur cette question, c'est qu'il y a une discussion globale sur cette composante, sur un système où plus personne ne comprend rien, pour qu'il y ait un peu plus de lisibilité, qu'il y ait un peu plus de transparence et qu'on puisse à la fois préserver les consommateurs et également préserver Enercal.
Ensuite, vous m'interrogez sur la question de la centrale SLN. J'aurais bien voulu que vous vous posiez cette question au moment où vous avez pris en charge le groupe Calédonie Ensemble, la construction de la centrale, alors que ça faisait 15 ans que la SLN n'était pas en capacité de le faire. 15 ans, et vous avez fait porter sur la Nouvelle-Calédonie la question de cette centrale, en mettant, et aujourd'hui ça vous tient à cœur, la question du consommateur, mais c'est 500 millions par an qui sont payés par le consommateur sur une taxe sur le gasoil pour une centrale qui n'a pas encore vu le jour, qui n'a pas vu même pas l'esquisse du jour. Et donc aujourd'hui, cette question, elle aurait dû être posée au départ, finalement, sur quel engagement la SLN prenait vis-à-vis de la Nouvelle-Calédonie pour assurer la construction de la centrale, dont la Calédonie, ce n'était pas le métier de construire des centrales. Aujourd'hui, on a pris 24 mois de retard en 24 mois sur un projet qui est stratégique. Je conviens qu'aujourd'hui, il faut apaiser les choses sur cette situation et qu'on puisse avancer. Je crois que la société NCE, je finis, Monsieur le Président, la société NCE compte lancer un appel à manifestation d'intérêt justement pour avancer sur ce projet-là. Mais il appartient certainement pas aux membres du gouvernement en charge de l'énergie ou au gouvernement de faire ces négociations entre deux sociétés privées. Ça a valu des conséquences juridiques à d'autres élus de cette Assemblée. Merci, Monsieur Jugès. Madame Manon Halalo, avez-vous des commentaires à faire, s'il vous plaît ? Merci, Monsieur le membre du gouvernement. Vous êtes surpris par la nature de mes questions, mais moi-même, je suis surprise parce que ma question était toute simple. Je voulais juste savoir si les conditions suspensives ont été levées ou pas. Ma question était très simple. Vous avez noyé un peu le poisson en reprochant certaines choses à Calédonie Ensemble, mais moi, ma question, elle était simple. Est-ce que les conditions suspensives ont été levées ? La réponse, visiblement, c'est non. Merci. Nous passons à la septième question. Monsieur le Président, il s'agit de la question numéro 7 déposée par Madame Kaloy Barounet et qui porte sur la fiscalité. Merci, Monsieur le Secrétaire Général. Madame Kaloy Barounet, vous avez la parole. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Président, mes chers collègues. À l'heure où le gouvernement travaille sur une réforme de notre système fiscal et alors que notre groupe UCFLNKS est nationaliste a demandé un moratoire sur toute nouvelle niche fiscale nous souhaitons renouveler et compléter une question que notre groupe a déjà posée au gouvernement en place en janvier 2016. En 2016, nous interrogions le gouvernement sur sa volonté de mettre en place un programme que nous appelions d'import-substitution visant à diminuer notre dépendance aux importations en matière de denrées alimentaires. Concrètement, il s'agirait de freiner l'importation de certains produits agricoles ciblés, de soutenir et développer leur production sur le pays. Nous complétons aujourd'hui notre question, Monsieur le Président, en vous demandant de nous préciser sur quelles raisons précises et compréhensibles la Nouvelle-Calédonie n'oppose pas ou si peu de droits de douane aux produits en provenance d'Europe, alors qu'elle le fait pour de nombreux produits en provenance de nos plus proches voisins, l'Australie, la Nouvelle-Zélande, pour ne citer que. Ma question débouche tout naturellement sur l'évolution de la fiscalité qui nous est annoncée. Est-ce que le gouvernement envisage, dans le cadre de son projet de loi de programmation fiscale, de modifier les tarifs douaniers très favorables aux produits européens en faveur des tarifs douaniers de nos partenaires économiques de la région ? Merci, Monsieur le Président. Bien, merci, Madame Kaloy Barounet. Le gouvernement, Monsieur Jugès. Oui, j'enchaîne. Merci, Madame la conseillère. Je suis désolé. Donc, du coup, je vous fais dos pour répondre à cette question. Ah, vous avez bougé. Pardon, excusez-moi. Enfin, c'est les fêtes de fin d'année, ça. Mais bon. Donc, pardon, Madame la conseillère, sur la question. Sur la question qui est très intéressante, la Nouvelle-Calédonie est un PTOM dont les échanges sont, avec l'Union européenne, sont liés sur la décision d'association d'outre-mer qui a été signée en 2013. Et c'est à ce titre-là que nous avons des tarifs douaniers qui sont avantageux
en faveur de la des pays de l'Union européenne qui exportent en Nouvelle-Calédonie. Et réciproquement, c'est à ce titre que la Nouvelle-Calédonie qui importe en Union européenne et en faisant partie d'une collectivité membre a également des droits nuls vis-à-vis de l'Union européenne. Votre question, c'est finalement si on doit continuer ces échanges avec l'Union européenne. Pour ma part, je crois que oui, on a tout intérêt à préserver ces tarifs douaniers qui bénéficient à la fois aux consommateurs et aux entreprises et qui nous inscrit dans un grand bassin qui est l'Union européenne. Mais je crois également qu'on a un intérêt majeur à renforcer, et le gouvernement et le président du gouvernement l'avaient annoncé dans la déclaration de politique générale, de renforcer nos liens avec les pays de la région et notamment avec nos deux grands voisins que sont l'Australie et la Nouvelle-Zélande. Je salue le consul général qui est de Nouvelle-Zélande qui est parmi nous aujourd'hui. On a déjà des avantages avec ces pays-là sur notamment la question des produits de première nécessité qui sont aussi exonérés de droits de douane. Mais on a la volonté, on a la conviction que les différents pays qui pourraient participer à des nouveaux accords seraient gagnants à des liens beaucoup plus forts au niveau du commerce extérieur, au niveau commercial. Et cela passe notamment par soit des accords bilatéraux avec les pays de la région, que sont l'Australie et la Nouvelle-Zélande, mais également Fidji, avec qui on a des opportunités pour travailler sur ces sujets, mais ou sinon s'inscrire dans des accords multilatéraux que sont le PICTA ou le PACER, qui est notamment soutenu par l'Australie et la Nouvelle-Zélande. Mais dans tous les cas, on a un intérêt fort à travailler davantage avec ces pays-là en matière d'échanges commerciaux, mais de manière réciproque. C'est-à-dire que de fixer une liste de produits qui ne mettent pas forcément en danger certaines productions locales et d'avoir des accords commerciaux qui soient gagnants-gagnants. Ces accords commerciaux, ils doivent aussi passer par une amélioration de notre fiscalité, c'est-à-dire qu'on ait des conventions fiscales avec ces pays de la zone qui nous permettront d'avoir davantage de transparence au niveau de la fiscalité, l'un n'allant pas sans l'autre. Voilà, Madame la conseillère, une volonté forte de la part du gouvernement de travailler avec ces pays de la zone pour renforcer nos liens commerciaux. Merci, Monsieur Gigès. Madame la conseillère, avez-vous un commentaire à faire ? Merci, Monsieur le Président. Merci, Monsieur Gigès, pour votre réponse, pour cet engagement que vous preniez. Pour cela, en effet, la question de la réforme fiscale est un sujet qui nous tient à cœur. Et dans vos perspectives, nous tenons à aussi vous soumettre dans le projet de loi de programmation fiscale, la réforme fiscale. Nous envisageons aussi de vous soumettre nos propositions sur certaines dispositions fiscales. Je vous en remercie. Merci. La huitième question, s'il vous plaît, Monsieur le Secrétaire général. Il s'agit de la question numéro 12, déposée par Mme Kak et qui porte sur le secteur du nickel, Monsieur le Président. Merci, Monsieur le Secrétaire général. Madame Kak, vous avez la parole. Merci, Monsieur le Président. Le Congrès a tenu, le 25 novembre dernier, une commission plénière à huis clos sur le sujet du nickel. À cette occasion, la SLN a indiqué que si on ne lui accordait pas une baisse de 3,2 milliards de sa facture d'électricité, il faudrait l'autoriser à exporter 2 millions de tonnes supplémentaires, à défaut de quoi ils n'atteindront pas leur objectif de compétitivité. Lors de cette commission, Vallée a reconnu que le projet d'usine du Sud, tel qu'il avait été conçu à l'origine, est, je cite, « un échec avéré ». Vallée préconisait de fermer sa raffinerie et d'exporter 2 millions de tonnes de saprolite par an pour maintenir son activité dans le Sud. Depuis lors, Vallée a indiqué publiquement qu'il cherchait à vendre l'usine du Sud et qu'il comptait quitter la Nouvelle-Calédonie en 2020. Toujours lors de cette commission, KNS a expliqué qu'il espérait atteindre 50% de leurs objectifs de production sur mine et à l'usine. Ma question s'adresse à M. Thierry Santa, président du gouvernement. Face aux énormes difficultés de notre industrie métallurgique et compte tenu des inquiétudes suscitées par le développement de la nouvelle stratégie chinoise en Indonésie, qu'est-ce que vous comptez faire pour accompagner la Nouvelle-Calédonie
dans la définition d'une stratégie adaptée pour sauver notre industrie minière et métallurgique, à part organiser des assises en 2020. Et est-ce que le gouvernement a l'intention d'autoriser ces exportations supplémentaires ? Je vous remercie. Merci, Madame Kak. Monsieur le Président du gouvernement, vous avez la parole. Merci, Monsieur le Président du Congrès. Merci, Madame la Conseillère, pour votre question. En 10 ans, la Chine s'est en effet accaparée le marché du nickel et a bouleversé les équilibres. Premier producteur d'acier inoxydable au monde et premier producteur et consommateur de nickel, la Chine ne possède pas de minerai. C'est donc l'Indonésie et les Philippines qui ravitaillent cette industrie du nickel pig iron depuis le début. À eux trois, ces pays font pratiquement le marché du nickel, si bien qu'une décision dans l'une de ces régions a une incidence rapide et directe sur le prix du nickel, du métal, pardon, au London Metal Exchange, LME. Or, depuis le 1er janvier 2020, l'Indonésie a de nouveau interdit toutes les exportations de minerais bruts, ce qui est de nature à soutenir les prix. Par ailleurs, la fabrication des batteries nécessaires aux véhicules électriques offre de réelles perspectives et une croissance de marché qu'il est illusoire d'attendre de l'acierie inoxydable. D'ici 5 ans, en effet, les experts des grandes sociétés de négoce anticipent une demande d'environ 300 000 tonnes de nickel métal supplémentaire qu'il faudra fournir sur ce segment. Dans ces conditions, et bien que la concurrence des pays à bas coût soit particulièrement féroce, l'industrie métallurgique locale n'est pas perdue. Au contraire, cette industrie a encore de beaux jours devant elle, malgré la période très difficile qu'elle traverse, les défis techniques qu'elle doit encore relever et les dettes qu'elle a accumulées. Toutefois, pour atteindre cet objectif et leur permettre de se projeter et d'investir, il est important que les industriels puissent bénéficier non seulement d'un cadre législatif et réglementaire moderne, souple et adapté aux enjeux du moment, mais aussi d'un soutien du pays dans lequel elles évoluent. Ailleurs dans le monde actuel, la plupart des gouvernements agissent ainsi. Nous ne pouvons plus faire l'économie de cette discussion. Notre stratégie industrielle, posée pour partie voilà 10 ans maintenant dans le schéma minier, doit évoluer. La tâche est ardue, mais c'est une nécessité. Pour ces raisons, j'organiserai effectivement ces assises afin d'apporter les ajustements nécessaires au cadre actuel. Bien entendu, je serai attentif aux difficultés que les différents acteurs pourront exprimer lors d'une phase de concertation préalable. C'est ainsi que nous pourrons appréhender correctement les éventuelles solutions. Quant aux exportations, elles ne représentent qu'un moyen et non un objectif. Elles permettent de rapatrier de la valeur sur des franges de minerais non transformables localement et ainsi de soutenir la compétitivité de la métallurgie locale. Je les ai donc soutenues ce matin au comité du commerce extérieur minier. Je les soutiendrai de nouveau devant les membres du gouvernement car mon seul objectif est la préservation de notre tissu industriel respectueux de notre environnement et des emplois concernés. Je vous remercie. Merci, Monsieur le Président du gouvernement. Madame Kak, avez-vous des commentaires à faire ? Non, je voulais simplement remercier le Président pour sa réponse. Merci. La 9e question. Merci, Monsieur le Président. Il s'agit de la question numéro 10, déposée par Madame Manoua Alalo, et qui porte sur l'enseignement. Merci, Madame Manoua Alalo. Vous avez la parole. Merci, Monsieur le Président. Le 28 mai 2019, le tribunal administratif a annulé 2 délibérations du Congrès à la demande de Monsieur Santa. Les délibérations 381 et 382 du 10 janvier 2019, la première portant organisation de l'enseignement primaire et la seconde étant relative au socle commun de connaissances, de compétences et de valeurs. Ces 2 textes avaient été préparés par le précédent gouvernement, conformément à la charte d'application des orientations de la politique éducative, adoptée le 1er décembre 2016 par le Congrès, et qui préconisait la mise en place d'une nouvelle organisation de l'enseignement, du primaire au collège, et de nouveaux programmes adaptés à la Nouvelle-Calédonie.
La réforme du collège a été adoptée le 29 décembre 2016 par le Congrès, avec une continuité CM1, CM2 et 6e, et mise en œuvre dès la rentrée 2017. Il restait donc à faire évoluer l'organisation de l'enseignement du primaire, ainsi que le socle commun de connaissances et de compétences, adopté le 13 janvier 2012 par le Congrès, sur la base d'un copier-coller du socle appliqué en métropole depuis 2008 et qui était devenu totalement obsolète. C'était le but de ces deux textes, qui ont fait l'objet, pendant 2 ans, d'une très large concertation. Le recours de M. Santa aura donc eu pour conséquence de faire reculer notre école calédonienne de 3 ans à une époque où elle fonctionnait à 2 vitesses, parce qu'il n'y avait plus de cohérence entre le primaire et le collège, et que ces deux textes avaient précisément pour objet de corriger. Ma question s'adresse à Mme Isabelle Chamorreau, membre du gouvernement en charge de l'enseignement. Pouvez-vous nous indiquer dans quel délai ces textes seront à nouveau déposés sur le bureau du Congrès ? Avez-vous l'intention de les reprendre dans leur intégralité, comme pour celui de la santé scolaire ? Ou bien comptez-vous remettre en cause cette réforme majeure du précédent gouvernement, en particulier l'enseignement obligatoire de la culture kanak et le service civique scolaire, deux épreuves constitutives du brevet du collège en Nouvelle-Calédonie ? Merci. Merci, Madame la conseillère. Madame Chamorreau. Merci, Monsieur le Président. Madame la conseillère, permettez-moi de vous dire que je suis très étonnée de la teneur de votre question, mais je vais essayer de vous rassurer. En effet, la délibération numéro 384 relative aux orientations générales de promotion de la santé scolaire à laquelle vous faites référence a été en effet annulée en mai 2019 au motif qu'elle avait été adoptée à l'issue d'une procédure irrégulière n'ayant pas procédé à la consultation du CESE. Nous avons donc dû, avec ma collègue Valentine Ressouquet, solliciter cet avis du CESE avant de présenter à nouveau ce texte qui a été voté au Congrès le 23 décembre dernier. Et d'ailleurs, cette consultation supplémentaire a permis d'intégrer plus largement nos partenaires dans ce secteur important pour la réussite de notre jeunesse. Quant aux délibérations numéro 381 et 382 auxquelles vous faites effectivement référence, elles ont été également annulées par le tribunal administratif suite à un vice de procédure relatif au non-respect du délai de convocation et de transmission des textes aux membres du Congrès. Donc il est de notre responsabilité, malheureusement, de retravailler sur ces textes. Dans le domaine de l'enseignement, l'année 2020 sera donc une année de transition et de concertation. En ce qui concerne la charte d'application du projet éducatif qui était prévue pour les années 2016 à 2019, elle prend fin et devra donc faire l'objet d'un bilan qui sera présenté aux élus du Congrès et nous devrons, à partir de ce bilan, redéfinir les actions à consolider et les nouvelles orientations à donner à notre politique éducative. Pour les délibérations relatives à la réforme du primaire, ces nouvelles modalités qui étaient prévues par les textes, et il n'y a donc pas de retard de 3 ans comme vous en faites mention, ces nouvelles modalités ont fait l'objet d'expérimentations dans les établissements scolaires pendant l'année 2019, ce qui va nous permettre d'en retirer les enseignements et de faire les amendements nécessaires pour les années à venir. Donc les équipes pédagogiques ont travaillé sur la base de ces programmes et non plus sur la base de ceux de 2012. Sur l'enseignement des fondamentaux de la culture kanak et sur les fondements du parcours civique. Ils ne seront évidemment pas remis en cause, mais notre responsabilité, et ça fait plusieurs fois que nous l'évoquons, c'est de renforcer la valorisation de l'ensemble des cultures présentes en Nouvelle-Calédonie, puisque nous considérons que c'est un élément indispensable à un respect mutuel. Il en sera de même pour l'ouverture sur la région et notamment sur l'apprentissage de l'anglais. Les valeurs d'égalité filles-garçons doivent également faire l'objet d'une attention particulière. Cette démarche globale devra refléter nos priorités en matière de santé scolaire, de respect des rythmes chronobiologiques, de lutte contre l'illettrisme et l'innumérisme, mais aussi d'école inclusive et de prise en compte renforcée du parcours beaucoup plus fluide entre le primaire et le secondaire. Nous souhaitons donc inscrire l'ensemble de ces axes, dans un calendrier qui est le suivant. Donc pour la charte d'application et le projet éducatif, donc il y aura un bilan qui sera présenté au Congrès à la rentrée. Et l'année 2020 verra la poursuite de la charte actuelle et l'élaboration d'une nouvelle version pour les années 2021 à 2023. Pour la réforme du primaire, l'année 2020 sera l'occasion de continuer les expérimentations, d'en faire un bilan et de proposer les amendements nécessaires en cours d'année au Congrès. Pour l'école inclusive, les travaux de refonte des textes sur la scolarisation des élèves à besoins éducatifs particuliers va se poursuivre en 2020 avec un objectif d'entrée en vigueur progressive à partir de la rentrée 2021.
Sur les rythmes scolaires, une réflexion globale sera menée avec les partenaires et la première étape a consisté à modifier le calendrier scolaire en proposant le rythme de 7 semaines de cours et 2 semaines de vacances. Pour conclure, notre école doit aussi répondre aux enjeux de l'état d'urgence climatique et environnementale qui a été déclaré par les élus du Congrès. Et nous renforcerons donc nos actions en matière d'éducation au développement durable, notamment dans les programmes d'enseignement, les projets d'école et les établissements. Je voulais également conclure en vous disant que tous ces éléments ont été transmis dans une lettre que j'ai adressée aux enseignants du primaire fin 2019 afin qu'ils puissent l'intégrer dans leur projet de cette année. Et je les ai informés de ce calendrier de travail qui sera soumis à nos institutions. Bien, merci, Madame Chamorro. Madame Manouhalalo, avez-vous des commentaires à faire? Je remercie Madame le membre du gouvernement pour sa réponse, mais il ne fallait pas être étonné par la nature de mes questions. Ma question était légitime et vous y avez répondu. Merci. Nous passons à la 10e question, Monsieur le secrétaire général. L'avant-dernière question. Il s'agit de la question numéro 11 déposée par Mme Roisé et qui porte sur les comptes sociaux. Merci, Monsieur le secrétaire général. Mme Roisé, vous avez la parole. Merci, Monsieur le Président. Le 16 décembre dernier, en commission plénière, le président du gouvernement a présenté les grands axes de la réforme des comptes sociaux. Il aura fallu attendre le 29 novembre 2019, date de la manifestation des professionnels de santé libéraux à la suite de la décision de la CAFAT de suspendre le paiement de leurs actes pour que le président du gouvernement se saisisse enfin du dossier et engage les consultations ad hoc. On a donc perdu 6 mois, alors que le président du gouvernement avait parfaitement identifié l'urgence et qu'il en avait fait un élément central de son discours de politique générale, allant même jusqu'à se charger lui-même de ce secteur. Les grands axes de la réforme nous ont été présentés de manière tellement générale qu'il faut bien admettre que tout le monde est obligé d'y adhérer. Il nous semble toutefois qu'on continue de confondre la question du déficit structurel du RUYAM, qui doit demeurer la priorité absolue, et les problèmes de trésorerie qui peuvent être réglés en interne par la CAFAT. Il nous semble aussi que les efforts ne sont pas partagés équitablement entre les professionnels de santé du secteur public ou privé. L'hôpital public ne peut pas être la seule variable d'ajustement de la réforme des comptes sociaux. Ma question s'adresse à M. Thierry Santa, président du gouvernement notamment en charge de la réforme des comptes sociaux. Pouvez-vous nous indiquer de manière précise, en abandonnant les généralités généreuses, quelles sont les mesures concrètes qui vont être mises en œuvre pour réduire le déficit structurel du RUYAM? Dans quel délai ces mesures vont-elles intervenir et quel en sera l'impact pour les Calédoniens? Je vous remercie. Merci, Madame la conseillère. Monsieur le Président du gouvernement, vous avez la parole. Merci, Monsieur le Président du Congrès. Je vais essayer d'éviter les généralités généreuses et apporter des réponses concrètes à vos questions, à votre question, Madame la conseillère. Vous avez raison de rappeler qu'il faut distinguer le déficit structurel du RUAM de ses problèmes de trésorerie. En revanche, ce gouvernement ne considère pas l'un prioritaire par rapport à l'autre. Au contraire, il est impossible d'envisager de rééquilibrer durablement le budget annuel du RUAM alors qu'il risque constamment la rupture de trésorerie. Le courrier de la CAFAT du 29 novembre dernier que vous avez cité en est la parfaite illustration. Une de telles annonces anxiogènes menacent le plan global sur lequel travaille le gouvernement, je vous rassure, depuis son installation. L'ambition de ce plan pour pérenniser le RUAM est bien de répondre à cette double urgence. Car apurer la dette cumulée du régime, comme prévu par l'un des 3 piliers de ce plan, c'est permettre à chaque acteur de jouer pleinement son rôle, en particulier celui de payer ses cotisations et donc de redonner de la trésorerie au RUAM. Je citerai également quelques-unes des mesures d'équilibre qui permettront de redonner rapidement de la trésorerie au RUAM. Par exemple, l'avance de trésorerie de 5 milliards, consentie donc par les régimes excédentaires de la CAFAT,
la mise en œuvre des recommandations de l'ACOSS, l'Agence centrale des organismes de santé sociale, formulées en 2016 et en 2017 de manière à redynamiser le recouvrement des cotisations. Je profite aussi de cette question pour rappeler le principe de la taxe comportementale sur les produits sucrés proposée par le gouvernement le 10 décembre dernier. Il s'agit bien de la taxe comportementale prévue par le plan Docamo et dont l'objectif est de faire baisser la consommation des produits sucrés visés. Si une partie du produit de cette taxe sera temporairement affectée au financement du RUAM, face à l'urgence de son besoin de trésorerie, cette taxe a bien vocation, à terme, à financer essentiellement des actions de prévention. Par ailleurs, des efforts demandés à tous permettront au RUAM de faire face aux dépenses prévues en 2020 sans remettre en cause la qualité des soins dont bénéficient les Calédoniens sur ce territoire. C'est ainsi que le gouvernement pourra réformer le système en profondeur et en se donnant le temps de mettre enfin en place les outils indispensables de gouvernance, du pilotage et de régulation du système. Car s'il y a une réponse prioritaire face au déficit structurel du RUAM, c'est bien cette réforme de fond pour laquelle le gouvernement a demandé le retour de l'IGAS. Vous l'aurez compris, il n'est pas question de jouer aux apprentis sorciers, encore moins d'avoir comme seul réflexe de lever des impôts. Une réforme fiscale un peu trop hâtive peut avoir de graves conséquences, comme vous le savez, Madame la conseillère. Or, l'impact attendu de cette réforme pour les Calédoniens est le maintien, je le répète, de notre système de santé de grande qualité. Je vous remercie. Merci, Madame, Monsieur le Président. Madame Coisier, avez-vous un commentaire ? On dit simplement remercier la réponse du Président. D'accord. Merci. OK. Merci. Onzième question, Monsieur Sylvain Pabouti. Merci, Monsieur le Président. Je crois que ma question s'adresse encore une fois au Président du gouvernement. Par lettre adressée le 16 novembre 2017 à Madame Agnès Buzyn, ministre des Solidarités et de la Santé, Monsieur Philippe Germain, en tant que président du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie, formulait une demande d'appui conseil à l'IGAS afin de travailler dans deux directions. La première, vers la protection sociale. Il s'agissait là d'examiner, d'analyser et de proposer des mesures correctives portant sur trois choses, la répartition des compétences entre les trois différents acteurs de la protection sociale et de la santé, à savoir la Nouvelle-Calédonie, la CAFAT et l'Agence sanitaire et sociale, ainsi que l'analyse des missions et du fonctionnement de l'Agence sanitaire et sociale et de la CAFAT, et enfin l'adéquation des moyens aux missions exercées par les différents acteurs. La deuxième direction, c'est vers les services hospitaliers et de santé. Il s'agissait là d'examiner et de réinterroger l'organisation des soins à la lumière de l'investissement réalisé et concrétisé fin 2016 dans le Médipôle de Cuccio, ce qui devait recouvrir l'organisation et l'articulation des fonctions de définition des politiques et des priorités de santé et du financement et des régulations, l'organisation des soins et de la complémentarité des services hospitaliers, l'adaptation aux besoins des populations et l'efficience du nouveau CHT, et plus largement donc le Médipôle. Le 16 janvier 2018, Philippe Calmette et Jean-Louis Rey étaient désignés par la ministre pour effectuer cette mission. En juin 2018, les inspecteurs généraux rendaient leur analyse et recommandations de la mission d'appui conseil au gouvernement de la Nouvelle-Calédonie relative à l'organisation et la gouvernance, le pilotage et la régulation du système de protection sociale et santé. La mission recommandait ainsi qu'un ensemble ambitieux et cohérent des mesures qui font sens soit adopté, marquant la claire volonté de faire bouger sérieusement et durablement les choses et préconiser une évolution forte comportant 11 volets. À l'occasion donc de la commission plénière du 12 décembre dernier et relative aux comptes sociaux, vous avez annoncé, Monsieur le Président du gouvernement, qu'il serait procédé une nouvelle fois à une demande d'appui conseil de l'IGAS.
Ainsi, la question que nous soumettons est de deux ordres. D'une part, à plus d'un an de la restitution de la mission Ligas de 2018, quelles ont été les suites données aux recommandations formulées ? Et d'autre part, quel serait l'objectif d'une nouvelle mission, alors même que les recommandations de la mission de Ligas de 2018, comme s'intégrant dans une volonté globale, n'ont pas encore été mises en œuvre ? Voilà ma question, Monsieur le Président. Merci, Monsieur Pavotti. Monsieur le Président du gouvernement, vous avez la parole. Merci, Monsieur le Président du Congrès. Merci, Monsieur le Conseiller, pour votre question. Dans la ligne de l'adoption du plan Docamo du 24 mars 2016 et son axe réforme de la gouvernance, une mission d'appui et de conseil a effectivement été menée par l'IGAS en février, mai et juin 2018. Le rendu des préconisations définitives de l'IGAS a été repris dans une délibération cadre adoptée le 29 août 2018 par le Congrès de la Nouvelle-Calédonie. Cette délibération cadre instaure un comité de pilotage chargé de planifier et de phaser la réforme et le recrutement d'un chargé de mission maîtrisant les questions techniques de la réforme. Ce comité a été mis en place par arrêté du 27 novembre 2018 et Mme Robson a été nommée chargée de mission. Cette délibération cadre prévoyait également que chacun des projets de texte des différents volets de la réforme fasse l'objet d'une procédure de concertation et de négociation avec les partenaires sociaux et les acteurs concernés. Les différents projets ont ainsi été préparés par la chargée de mission et la phase de consultation s'est déroulée durant le premier semestre 2019. Un rendu de ces différentes consultations a été transmis au nouvel exécutif en juillet dernier et fait état de quelques réticences de la part des partenaires sociaux, notamment sur le partage des responsabilités entre la CAFAT et la future autorité indépendante de régulation. Le gouvernement s'est donc engagé, dans le cadre de sa déclaration de politique générale, à mener de nouvelles discussions afin de trouver les équilibres pour répartir efficacement les responsabilités entre cette autorité et la CAFAT. Cependant, devant l'urgence de la situation financière du RUAM, le comité de pilotage a vu son périmètre élargi à l'équilibre des comptes sociaux. Ces travaux ont permis d'élaborer le plan pour pérenniser le RUAM présenté en commission plénière du Congrès le 16 décembre dernier. Il s'agit maintenant de reprendre les travaux sur la réforme de la gouvernance du système de protection sociale que le gouvernement entend présenter rapidement au vote du Congrès avant la fin du premier semestre 2020. L'appui de l'IGAS a donc été de nouveau sollicité pour imaginer avec les partenaires sociaux une nouvelle architecture du système et définir le périmètre d'action de la future autorité de régulation ainsi que la place du gouvernement, de la CAFAT et du paritarisme dans la gestion du RUAM. En 2018, la mission de l'IGAS n'avait pas eu la possibilité d'apprécier l'adaptation de l'offre de soins de la Nouvelle-Calédonie aux besoins de la population. C'était une de ses missions, mais elle n'a pas pu la mettre en œuvre. Depuis, les établissements hospitaliers publics et privés ont commencé à se structurer pour déployer une véritable stratégie interhospitalière, gagner en cohérence et donc en efficience. Un comité stratégique s'est mis en place dans cette perspective, le COSTRA, et s'est déjà réuni en août et décembre 2019. Les recommandations de la nouvelle mission IGAS formulera en termes d'adéquation entre l'offre et la demande de soins pourront donc être rapidement mises en œuvre au travers de ce COSTRA. Enfin, cette nouvelle mission de l'IGAS sera aussi l'occasion d'envisager avec tous les acteurs les mesures d'équilibre qu'il conviendra de mettre en place d'ici à ce que l'autorité indépendante de régulation soit opérationnelle. Je vous remercie. Merci, Monsieur le Président du gouvernement. Monsieur Pabouti, avez-vous un commentaire à faire ? Non, je voulais juste donc remercier le Président du gouvernement pour sa réponse. Et donc, on essaiera d'être assez... d'être attentif à ces nouvelles recommandations. Merci. Mes chers collègues, nous avons épuisé l'ordre du jour. Il ne me reste plus qu'à vous remercier et à vous donner rendez-vous demain matin à 9h pour notre séance publique. Je vous remercie. Je vous souhaite bonne fin d'après-midi.